Bonjour tout le monde, je suis accompagné de Cassandra. Bonjour Cassandra. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tu es étudiante ici en technologie équine à l'ITA de la Pocatière, oui. L'Institut de technologie agroalimentaire, donc version la Pocatière. Et on est ici au ce qu'on appelle le manège, mais c'est le centre équestre en fait. Hein? Oui, mais ici présentement on est dans la cellerie. Oui, c'est ouais. Vrai, la cellerie du centre équestre, ouais. Dans lequel vous recevez vos cours. Hein? Puis ici les cours, c'est tu sais comment ça fonctionne exactement? Ben, dans le fond, on a plusieurs savoir comme les cours, les genres de cours. Oui, oui, oui. Ben, vous montez à cheval, bien évidemment. Oui, oui, vous apprenez l'entretien, les différentes étapes du cours que ouais. Vous avez durant vos trois années, ouais. Parce que ça dure trois ans. Oui. Dans le fond, les cours qu'on a en première année, on a beaucoup plus de cours sur la régie du cheval, comme mettons, laver une bride. Oui, oui, c'est ça. Ouais, comme le cheval. Que je suis en train de faire d'ailleurs, là, comme vous pouvez voir. Brosser le cheval. On a des cours de base à cheval aussi, qu'on a équitation élémentaire. OK. On a des cours aussi de pathologie, tu sais, un peu plus l'anatomie du cheval, oui, c'est ça, ouais. Puis en deuxième année, là, on tombe plus dans les soins du cheval. Okay. On commence l'entraînement du cheval. Puis en troisième année, là, on a un peu plus de gérance. Dans le fond, on guide les premières années à faire toute la régie de l'écurie, faire okay. Le train, nourrir les chevaux. Donc le but de ce cours-là, c'est essentiellement vous former pour devenir des gens qui vont travailler dans des camps d'été, dans des entreprises équestres, etc., qui font de la compétition ou pas. Ouais. C'est pas nécessairement des gens qui font de la compétition qui engagent des étudiants comme ça. Ça peut être toutes sortes de. En fait, il y a toutes sortes de centres équestres au Québec. D'ailleurs, il y a des régions au Québec qui sont. Toi, tu viens de où, là? L'Est Québec. Tu viens de l'Est Québec, ah oui? L'Est. À Rimouski. À Rimouski, quand même, c'est pas trop loin. Alors, est-ce que tu avais des chevaux dans ta vie personnelle, toi? Oui, j'en ai trois. Ah oui? À la maison. OK. Ouais. Alors, vous étiez sur une ferme, quoi? Vous avez des jours. On a notre écurie. Dans le fond, mes parents, ils ont construit l'écurie avec moi. Ah oui? Ils m'ont dit de dégâter? Oui, je fais de la compétition. OK. Quel c'est classique ou Western? Western. Ouais. Alors, t'aimes ça beaucoup à la Pocatière, ça se passe bien? Oui, oui. C'est ouais. Vraiment une belle technique. Oui. Ouais. Là, vous êtes actuellement, j'ai pensé combien d'étudiantes ou d'étudiants? On fait des étudiants-étudiantes? On est 30 étudiants par année. OK. C'est ça, c'est contingenté, hein? Oui. Donc, il faut travailler très fort, les amis, là, si vous voulez vous installer, vous venir faire le cours de technologie équine à la Pocatière. C'est un cours qui est très demandant, en termes de notes, hein? Ça prend des bonnes notes oui, pour entrer dans le cours, notes. Hein? Oui. Parce que, puis là, c'est un peu vite de me rencontrer. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. C'est seulement au Québec, hein? C'est un cours qui ne se donne pas ailleurs au Québec. C'est juste à la Pocatière qui se donne le cours. Hein? Donc, puis les équipements sont encore très en état. Ça fait longtemps que je viens ici, j'ai déjà été ici dans le passé. Mais c'est très, très bien entretenu. Ouais. Et les chevaux, bien évidemment, sont renouvelés d'année en année. En tout cas, il y en a qui sont là depuis longtemps, quand même. Oui, il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y a des nouveaux qui arrivent. Ils sont très dociles. Est-ce que vous donnez des cours dans votre cours? Est-ce que vous avez l'occasion de donner des cours? Oui, en deuxième année, on a un volet d'enseignement okay. À faire. Il y a des gens de l'extérieur de l'écurie qui viennent. Okay. Des débutants. Et vous avez un spectacle. À l'Expo Parc à Châtonnerie, vous faites un spectacle aussi, hein? Un spectacle avec elle. Oui, c'est ça, c'est vrai. Les dates, tu souviens-tu les dates par cœur? C'est la fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc, on est 4 ou 3, on est 3 aujourd'hui, d'avoir autour dans 12, 13 dans ces jours-là. Alors, Cassandra, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était pas mal fun. Merci beaucoup.